Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode où, comme vous pouvez le voir, je suis de retour dans mon village, bien accueilli par un zombie. Donc, dans mon village où je suis revenu pour réparer... Il y en avait là-haut encore. Pour réparer mon équipement et puis bah pour faire des armures pour mes loups, parce que si j'ai été dans un précédent épisode éleveur de tatou, c'était principalement pour récupérer des écailles de manière à pouvoir fabriquer enfin ces armures et voir à quoi ça ressemble. Village décoré aux couleurs de Noël, où vous avez pu le voir, j'ai mis en place un crafter, mais je ne sais pas encore l'utiliser. qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien du tout. Bon, alors, on va faire d'abord un petit peu le ménage. Donc, vous voyez, j'ai remis en place tout ça, et surtout, j'ai réparé tout mon équipement, toute mon armure. Et pour ça, bah, bien sûr, j'ai utilisé une grande partie de ma réserve de diamants, réserve que j'ai quand même été améliorée, hein, il m'en reste encore une dizaine. J'ai beaucoup d'émeraudes, réserve que j'ai été améliorée en faisant une petite descente. Alors par ici on a nos maîtres fléchiers, voilà. Bon allez, on va pas tourner autour du pot, l'idée c'est de fabriquer ces armures. Les voilà, je peux en fabriquer 13. Allez, on va commencer par en prendre 5. Et la grande question c'est, est-ce qu'on pourra les colorer? J'ai quoi comme couleur là? Ouais, violet, rose. On va aller faire du vert avec hop, cet équipement. Voilà. Oh là là, je vais même pas entendre le chat se plaindre à ce point là hop, ici on va faire cramer un petit peu et on va pouvoir installer notre première armure. Allez, ça sera toi. Et voilà, qu'est-ce que t'es beau. Ouais, c'est pas mal. Ça donne quoi? Avec le collier vert. Ouais. Allez, on va en prendre une autre. Où es-tu? Voilà, te voilà équipé aussi. Est-ce qu'on peut faire ici? Non, la couleur ne jouera pas ici. Bon, pas grave. Toi, t'es déjà en vert. Toi, tu seras aussi en vert. Le chat, tu seras en vert. Et où est-ce que j'ai laissé les autres? En voilà quelques-uns par ici. Donc toi, tu es en vert aussi. Et donc, tu fais partie de l'équipe. Vous êtes en quoi? Ah, encore un en vert. Hop là, tiens le droit aussi. Allez, venez, on va retrouver les autres. Oui, j'en ai laissé un petit peu partout parce que, en fait, à force d'avoir trop de loups autour de soi, c'est très très difficile de pouvoir, ne serait-ce qu'aller chercher de la nourriture. Et ça n'a pas été simple, en fait. Allez, hop, toi, tu viens avec nous aussi. Ça n'a pas été simple, en fait, de ne pas les frapper. Alors, les chiens, oh, vous êtes trop beaux. Pardon, j'appelle ça des chiens, mais il faut que j'arrête, hein, c'est des loups. Des loups apprivoisés. Mes loups apprivoisés. Oui, vous avez vu, j'ai craqué, hein, je me suis fait une houe en diamant. Hop. Eh, viens là. Voilà. Hop. Alors, comment on fait?
On fait comme ça. On fait une petite capture là, les chiens, les loups. Voilà. Allons-y. Faut que je marche à l'envers en fait. C'est horrible. Hop là. Toc. On va faire comme ça, et si vous vous mettez derrière moi, ça rendra super bien. J'ai dit derrière moi. Pas à côté de moi. Ouais, bah allez-y, poussez-moi aussi. D'accord, vous voulez pas être sur la photo? Si, quand même. Allez. Non, par contre, on va pas aller dedans. Hein. On va pas dans le. Voilà, j'aime bien quand tu me regardes comme ça. Voilà, c'était juste. Hop là. Pour faire la petite capture d'écran qui va bien. Voilà, donc dans cet épisode, on va pas faire grand-chose d'extraordinaire. Oui, certains vont dire que c'est le cas de chacune de mes vidéos. Mais non, en fait, je suis en train de préparer des choses. Donc je suis revenu ici. Je suis bientôt au 150e jour. Et je pense que ça sera un cap. Non, toujours pas. Voilà, ici je suis revenu et. Non, je les ai foutus où? Voilà. Vous voyez, j'ai récupéré une carte de village dans la savane. Une carte d'exploration des océans. Alors celle-là m'intéresse un peu plus que celle de la savane, même si je pense que je vais la prendre aussi. Et une de la taïga. On sent qu'on est très loin hein. Quand on voit le petit point. Voilà. Donc bah, l'idée ça va être de partir avec ces éléments-là et de retourner. Tiens, ça je vais reprendre. De retourner, disais-je. Hop là. Ça je vais le mettre dans le bateau. Je crois que j'en ai pas dans le bateau. Ouais, c'est ça. Hop là. Donc de retourner aux villages qui sont là-bas, je vais peut-être laisser les loups à nouveau ici et en apprivoiser, tenter d'en apprivoiser là-bas si j'en trouve. Donc sur ce continent, eh bien j'ai ce qu'il me faut en élevage. Je vais ramener en fait tout ça. Je suis en train de préparer en fait le transvasement. Ramener, je crois que j'ai fait énormément de papier, j'ai des livres, et donc dans le village de la savane, mais aussi dans le village à côté du. Enfin, le village de plaine, mais à côté du désert, je pense que je vais faire se développer ces deux villages-là de manière à les amener un petit peu comme cela. Encore faudrait-il que j'aie une belle mine juste à côté, mais peut-être qu'il y en a une que j'ai pas été chercher. Par ici, ouais, ça se remplit. Voilà, donc on va aller faire un petit tour, voir le poste des pillards par là-bas pour voir comment les loups avec leur armure ratée. Ah ouais, doublement ratée. Comment les loups se comportent, comment ça se passe. Allez, je fais que des gamelles. Voilà, on y va. Et on va les baffer un petit peu du pillard. Alors, faut peut-être que je me prépare avec. Avec du lait. On va prévoir un seau de lait au cas où. Non, non, hein, on va voir les pillards, on a dit. Ça sera plus rigolo. Hop! Comme l'impression d'être déjà passé par là. Et de me casser la gueule perpétuellement. J'ai l'impression qu'il y a un loup qui m'a poussé. Je
Ouais, je dis ça. Hop là, voilà, on y est presque. Ouais, je suis en train de me dire, c'est pas une vache, ça. Allons-y, par ici. Alors, en fait, je crois qu'il n'y en a pas trop par ici. Hein. Du mouton. Il m'a pas suivi là, non. Hop. Ouais, non, lui, on va le laisser là où il est. Même si j'ai des chats qui vont me protéger et repousser les creepers. Ah, en parlant de ça, je vais vous mettre une petite capture d'écran ou une petite photo de l'un de mes cadeaux de Noël. Voilà, une petite lampe en forme de creeper qui m'accompagne maintenant quand je joue. Enfin, surtout quand il fait nuit, quoi. Hop. Et toujours pas de vache par ici. Ah, l'idée étant d'essayer d'éviter de se prendre une malédiction et ensuite que le village se fasse envahir. Bon, bah, il n'y a rien par ici et je crois me souvenir avoir déjà fait le tour pour rien. Là, on a un âne que j'ai déjà apprivoisé, si je me souviens bien. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais, je suis reparti de l'autre continent, et ben, j'ai pas pris la selle que j'ai trouvée dans le désert. Donc, j'ai pas pu la réutiliser ici. Alors, elle a vocation donc à être utilisée là-bas, mais c'est vrai que si je l'avais eu par ici, j'aurais été content, ne serait-ce que pour les quelques ânes que l'on croise ici. Et pareil, ah oui, je voulais faire aussi une caravane d'alpaga. Mais j'ai toujours pas fait. Bon, bah c'est pas grave. Là, pour l'instant, je tourne en rond pour rien. Et c'est une belle perte de temps. Allez, tant pis. On va aller un petit peu casser la gueule. Oh bah tiens, j'ai dû passer par ici moi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de torches? Hop là. Allez, allons voir un petit peu les pillards. Il y en a deux là-bas, un là-bas. On les attire. Hop là. Même pas. Non plus. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça y est. Allez les loups, au boulot. Hop là. Voilà, j'étais déjà venu par ici. Mais on n'avait pas délivré le golem. Accompagner le golem qui se fait défoncer la tête. Et nous, on va aller se mettre par ici. Donc, vous voyez, j'avais fait un petit système de protection. Bon, et on reste pas. Ça va pas nous être très utile et puis surtout il va falloir qu'on aille directement chercher de quoi se protéger et de quoi protéger le village. Le golem, il va vivre sa vie tranquille.
Je sais pas si je peux le ramener jusqu'au village. En fait, il va pas me suivre moi, en fait. C'est pas ça le truc. Ouais, c'est ça. Très drôle. Bon, allez. On a la malédiction quand même sur nous. Oula, les Enderman, on les laisse là où ils sont. Et on passe vite, vite à côté de tout ce monde-là. Voilà, bon, bah, c'était un épisode juste pour équiper les loups de leur armure. Et encore, on va pas tous les équiper. On va garder des armures pour d'autres loups que je trouverai, je l'espère, sur l'autre continent. Et mon prochain épisode, ça va être de partir à la recherche, enfin, de retourner. Oula, ça ne protège pas des gamelles en tout cas. De retourner donc sur le deuxième continent, retrouver mon village, le développer un petit peu en attendant. Hop. Je commence à avoir faim. En attendant de le mettre au même niveau que cela. Et voilà, plus de malédiction. Bah désolé, oui. Allez, go! On rentre. Donc, tout petit épisode, hein, juste pour les armures. Je me répète, mais voilà, c'était le but du jeu. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures, mais sur l'autre continent. Et je l'espère, de nouvelles découvertes. À très bientôt!